des cartes de réalité augmentée. Avec alors. Alors, un code. Une carte, la première carte. La deuxième. La troisième. La quatrième. La cinquième. Et la sixième. Alors après, vous avez vous avez un intérêt. Je vais vous ouvrir. Alors vous avez un système d'alimentation. Alors d'abord un cube, comme on dit chez Apple, un carré pour là déjà pour mettre le système d'alimentation. Alors là, le système d'alimentation pour brancher la prise. Et là, pour le système USB pour la PlayStation Vita. Alors, vous avez après. Alors, vous avez. Un chargeur pour la PS Vita qu'on met sur la PS, en dessous de la PS Vita. Et là, le câble USB qu'on met là. Voilà. Et qu'on met sur la PS Vita. Après, vous avez l'alimentation que je vais ouvrir. C'est dur, hein. C'est cette alimentation. Voilà. Attendez, juste un petit problème. Désolé. Ça, je fais tout dans un papier. Alors, vous avez ça pour mettre là. Attendez, désolé, là, c'est bon. Ça rentre. Hop, maintenant. Où j'arrive. Bah, maintenant. Alors. Désolé, un petit inconvénient. Désolé, hein, parce que je suis avec un iPad. Et avec l'iPad, il est déchargé. Alors, maintenant, vous avez. La fameuse console P. Alors, la fameuse console PlayStation Vita. On va l'ouvrir. Alors, vous avez en haut le bouton pour allumer. Pour mettre l'ouverture pour mettre la cartouche. Pour mettre, je sais pas, j'ai oublié, c'était quoi? Un alimentation USB. Sachant que moi, c'est un modèle Wi-Fi. Vous avez plus et moins qui ressemble surtout au modèle d'Apple. Et le bouton R. Et le bouton L. Ouais, bah vous avez la machine. Vous avez la. Alors là, les 4 O. Bas, gauche, droite, un deuxième stick par rapport à la PSP. Vous avez les boutons croix, rond, triangle, carré, une caméra. Désolé, vous voyez pas. Start et select, le bouton start et select. Un deuxième stick, le mot PS Vita, l'IMEI. Le branchement pour la PS Vita, pour les écoutes,
En gros, pour les écouteurs, j'ai acheté un kit de réservation à Micromania. Je vous verrai plus de détails pour la dans la quatrième vidéo, je crois. La troisième vidéo. Le numéro de code. Vous avez après sur le côté, ben après derrière. Alors derrière, vous avez une deuxième caméra, un pavé tactile avec, si vous voyez, avec les motifs PlayStation. En bas, c'est marqué ben, Sony. Pleine puissance, l'écoute du prolongé du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur. Désolé, attends, juste que je rallume notre lumière car on ne voit pas très bien le fils. Merci. Ah voilà. Avant, vous voyez super bien. Donc, hop. Les mains. Un truc pour mettre ses mains. Et c'est tout. Deux haut-parleurs. Start Select. Le bouton. Désolé. Deux haut-parleurs là. Un haut-parleur là. Un autre. Le bouton Start et Select. Le bouton PlayStation. C'est tout pour cette vidéo. Rejoignez-moi tout de suite après dans une minute pour ma prochaine vidéo. Merci. Et la prochaine vidéo, ce sera. Alors, le. L'allumage, le démarrage de la PlayStation Vita. Merci et à bientôt. Tout de suite.